Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ma nouvelle chronique où cette fois-ci on va parler de géopolitique. Alors aujourd'hui on va faire le tour des principales tensions géopolitiques qui occupent notre monde au moment où je vous parle. Et donc on va voir le qui, le comment, les conséquences également. Historiquement, vous savez, il y a toujours des tensions entre les États-Unis et la Russie. Ces dernières semaines se sont ravivées, notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Donc comme vous le voyez en image, le détroit de Kerch a été fermé par la Russie, a été fermé au niveau des accès à tout bâtiment de guerre. Donc historiquement, on le sait tous, il y a toujours eu des tensions entre la Russie et les États-Unis. Et de nouvelles tensions sont apparues cette fois-ci entre les États-Unis et la Chine. On y reviendra. Brièvement, la Russie, ce qui se passe, c'est que il y a des tensions directement avec l'Ukraine et les États-Unis ont tendance à toujours vouloir, on va dire, faire de l'ingérence en équipant donc l'Ukraine et en finançant l'Ukraine afin qu'elle puisse résister à l'envahisseur russe. Et donc de ce fait, la Russie a décidé de fermer le détroit de Kerch, parlons de la Crimée. Donc je sais pas si je le prononce bien, Kerch ou Krek, peu importe, c'est russe, hein, c'est pas ma langue. Mais l'idée, c'est surtout de dire que ce détroit est fermé à tout accès d'un bâtiment de guerre, tout simplement. Donc on reviendra dans les semaines, on reviendra peut-être dans une vidéo prochaine s'il y a des choses vraiment intéressantes à en tirer sur sur le niveau de tensions qui vont s'accentuer dans la zone, sachant que Vladimir Poutine a donc prévenu les États-Unis de gentiment se mêler de leurs affaires. Car comme je vous l'ai dit, les États-Unis ont tendance à faire de l'ingérence, à se mêler de ce qui ne les regarde pas, notamment en occupant l'ennemi. Donc l'idée des États-Unis, plutôt que d'avoir une attaque frontale avec une autre superpuissance telle que la Russie, c'est plutôt de faire en sorte que ceux-ci soient embourbés pendant de nombreuses années dans un conflit un peu plus local, on va dire, et ce qui leur laisse le champ libre pour s'occuper d'autres conflits, tout simplement. Le principal conflit du moment est celui qui oppose la Chine face aux États-Unis. On va voir pourquoi. C'est bien simple, la Chine est une puissance qui est en train de monter, de grandir, littéralement de s'imposer sur la scène internationale, et ce n'est pas rien de le dire, là où les États-Unis sont une puissance sur le déclin. Les États-Unis refuseront de perdre leur leadership. Et le seul biais qui leur reste pour se défendre de ce risque de perdre le leadership, ce qui finira tout de même par arriver, c'est la confrontation avec la Chine. La confrontation, elle se fait toujours d'abord de façon économique, comme c'est le cas actuellement, avant de basculer sur l'étape suivante, qui est donc une guerre physique. D'un point de vue économique, la Chine détient d'énormes réserves de dettes américaines, sachant qu'également, elle détient également énormément de devises étrangères dans ses réserves, afin de garantir la solidité de sa monnaie. Surtout que la Chine a de cesse d'acheter depuis de très nombreuses années maintenant tout l'or qu'elle trouve, hein, disponible sur les marchés afin de se constituer des réserves toujours plus conséquentes. Contrairement aux États-Unis qui, sous Clinton, ont décidé de décorréler l'or du dollar. En effet, historiquement, un pays produit une certaine quantité de monnaie en circulation qui est proportionnelle à la masse d'or qu'elle possède dans ses réserves. Typiquement, la Suisse détient 70% de ses réserves en or par rapport à la quantité de francs suisses en circulation, ce qui donne du poids à sa monnaie. Alors, concrètement, suite à 1929 et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc les États-Unis, l'économie du monde était ravagée, on va dire, sur un plan économique, et il a fallu construire les nouvelles bases d'une économie, on va dire, et il a été donc nécessaire de séparer l'or du dollar. Et c'est ce qui a été mis en place durant la conférence de Bretton Woods, donc ce qu'on appelait les fameux accords de Bretton Woods, comme vous pouvez le voir en image. Donc il y a l'or d'un côté qui cote, qui a toujours un certain lien avec la masse, avec le cours du dollar, bien entendu, mais il y a le dollar de l'autre qui lui est imprimé dans une certaine quantité. Et bien entendu, hein, c'est classique, l'offre et la demande, plus il y a d'argent en circulation, plus la valeur de celui-ci diminue, et à l'inverse, moins il y en a, plus sa valeur augmente. Alors,
Parallèlement, la Chine se bat depuis de nombreuses années pour valoriser et imposer sa devise comme étant une valeur sécure. Et donc, qu'on peut emprunter, qu'on peut exploiter, qu'on peut utiliser comme au même titre que le dollar dans le cadre de ces échanges directement, donc sans passer par le dollar, comme c'est encore le cas aujourd'hui pour de nombreuses devises. Les contrats futurs sur le gaz et le pétrole, qu'il est directement possible d'acheter en yuan, que la Chine a créé. Ce qui fait qu'on va dire que la Chine va pouvoir acheter du pétrole et du gaz à la Russie sans passer par le dollar, directement avec ce yuan, tout en échange de la matière première qu'elle a décidé d'acheter. Plus récemment, la Chine a signé un accord sino-pacifique qui lui permet d'échanger, un accord commercial qui lui permet d'échanger avec les pays que vous voyez sur la carte, directement en yuan, sans avoir à passer par le dollar. Ce qui est un coup très dur pour les États-Unis. Cet accord boostera l'objectif de la Chine qui consiste à ravir la place hégémonique que tient le dollar sur la scène internationale et donc dans le cadre des échanges commerciaux dans le monde. Encore plus récemment, la Chine a signé un accord avec l'Iran, qui, comme on sait tous, est un pays qui, comme la Russie, subit depuis toujours des sanctions américaines, voire européennes, lorsque les États-Unis prennent leur téléphone et passent un coup de fil à l'Europe. La Chine a d'ailleurs précisé qu'elle aime travailler avec les pays qui ne changent pas d'avis ni des règles, seulement en décrochant simplement un téléphone. Le message est plutôt clair. Comme quoi, hein, comme le dit le proverbe arabe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Par ailleurs, les USA ont toujours eu la mainmise sur les ressources qu'ils jugent indispensables pour leur économie. Preuve en est à la fin du siècle précédent, où les États-Unis produisaient, exploitaient 80% des ressources mondiales. Au niveau international, notamment en Afrique, justement, où elle a des accords pour exploiter des mines. Et donc ces fameuses mines sont donc bien sous son contrôle. Le paradigme, c'est qu'avant, les États-Unis avaient tendance à, comment dire, à donc générer du conflit, pour permettre aux pays qui ont les ressources en question, bah, de rester, de s'enliser dans une situation politique complètement instable, tandis qu'ils passent leur temps à exploiter les ressources du pays en question, là où les Chinois arrivent et promettent argent qu'ils amènent réellement pour le coup, et promettent également de construire un pays, de mettre en place des infrastructures portuaires, routières, ferroviaires, sportive également, ce qui va, on va dire, bah, aider le pays en question quelque part à se développer finalement. Voilà. Donc il est évident que la stratégie des États-Unis était bien moins onéreuse sur le court terme, mais encore une fois sur le court terme. Maintenant que les Chinois sont entrés dans la partie avec des moyens considérables et en détenant une partie de la dette américaine, les Américains y réfléchissent à deux fois. Toutefois, ça vient de tomber, c'est tout frais, tout chaud. Il est évident que la stratégie des Américains a toujours été moins onéreuse, moins coûteuse et beaucoup plus rentable. Créer une situation instable dans un pays, laisser le pays en proie donc à ses difficultés, à sa stabilité économique et politique, et le laisser s'enliser dans sa situation tandis qu'il continue d'exploiter les ressources locales, forcément ça coûte moins d'argent que d'investir pour construire le pays, donc l'accompagner vers la croissance, vers le développement. Maintenant, cette stratégie de court terme a ses effets, c'est que les Chinois sont arrivés dans la partie et ils sont écartés de plus en plus. Ce qui est un coup dur, très clairement, pour les États-Unis qui voient très clairement leur hégémonie remise en cause de plus en plus. De ce fait, les États-Unis apparaissent de plus en plus aux yeux du monde comme un géant au pied d'argile, comme un colosse au pied d'argile, tandis que les Chinois apparaissent comme étant solides, prospères et un partenaire garant de la stabilité. Les États-Unis n'accepteront pas de voir leur remise en cause leur hégémonie et cela risque de se traduire par une guerre. La guerre commerciale a déjà commencé sous Trump et Biden pourrait bien passer au stade suivant, c'est-à-dire une guerre physique. Bien entendu, historiquement, nous savons que les États-Unis ont toujours refusé la confrontation directe avec une autre superpuissance. Ils le font en général avec des pays dont ils se savent être capables de gagner une guerre de manière stratégique et maîtrisée en termes de coûts, de moyens investis de façon globale. Mais une confrontation directe avec une autre superpuissance est beaucoup plus coûteuse.
Et en général, comme je l'ai dit dans le cadre, pour le cas de l'Ukraine, les États-Unis ont tendance à semer des graines, telles que c'est le cas en ce moment. L'équivalent de l'Ukraine avec la Russie, ça va être Taïwan avec la Chine. Et ce qui se passe en ce moment avec Taïwan et la Chine, c'est que la Chine estime que Taïwan fait partie, est une province chinoise hein, qu'elle va bientôt rattacher. Elle n'arrête pas de violer l'espace aérien en ce moment de Taïwan. Et il se trouve que Taïwan est un allié des Américains et que Taïwan demande le soutien des Américains. Cela n'est pas sans rappeler les conflits qui ont opposé le Japon assez récemment, c'était autour de 2008-2010, avec les îles Senkaku, donc les îles, une île japonaise, et sur lesquelles les États-Unis se sont littéralement installés, hein, ils ont installé une base militaire pour montrer aux Chinois qu'ils occupent l'espace et qu'ils occupent le territoire et que le territoire est bien japonais. Donc, la Chine a envoyé un message très clair aux États-Unis, c'est mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous n'avez pas à vous interférer dans le conflit qui nous oppose avec Taïwan. Et on verra bien dans les semaines ou mois qui viennent comment les choses vont se corser, on va dire. Donc, de la même façon que que l'Ukraine, pardon, est équipée de moyens financiers et matériels par les États-Unis, Taïwan est également en train d'être équipé de moyens militaires et matériels et financiers par les États-Unis pour résister à l'envahisseur chinois, tout simplement. Concrètement, l'enjeu est de taille pour les Chinois, tout simplement parce que la Chine, si on regarde, elle est plutôt enclavée entre le Japon et Taïwan, et donc limitée au niveau de son accès à l'océan Pacifique et ses ressources. Et également, la Chine possède des sous-marins qui peuvent plonger en eau profonde. Malheureusement, les zones ne sont pas suffisamment profondes entre la Chine et le Japon ou Taïwan. Et donc le fait de rattacher Taïwan, on va dire, sous pavillon chinois, permettra à la Chine de pouvoir finalement pouvoir voguer comme bon lui semble en eau profonde avec ses sous-marins. Ce qu'on voit dans ce match qui oppose les États-Unis vis-à-vis de la Chine, c'est que les conséquences sont à la fois économiques et militaires. Économiques parce que la Chine détient énormément de dettes américaines. Si elle décide demain de se délester de cette dette, elle impacterait considérablement le dollar et sa valeur. D'un autre côté, les contrats futurs yuan, donc chinois, n'arrêtent pas de se développer. Ça a déjà commencé, hein, ils sont en place. Encore une fois, il est d'ores et déjà possible d'acheter du pétrole et du gaz avec, sans passer par le dollar. Et s'ils continuent de se développer pour couvrir l'ensemble des produits existants sur les marchés mondiaux, cela impacterait encore plus considérablement le dollar. Tel qu'on le voit, le dollar va continuer son déclin, tout simplement. En conséquence de cette tension économique qui règne entre les deux pays, la Chine n'a de cesse de continuer de s'équiper au niveau militaire. Faut savoir que la Chine, elle a 4 millions de soldats chinois en service actif et 400 millions de réservistes. 51% de la population chinoise a moins de 18 ans. Le service militaire est obligatoire. Et il y a encore 10-15 ans, la Chine avait des soldats qui avaient simplement un fusil. Bon, ils étaient prêts à aller faire une guerre s'il y avait besoin, avec un fusil. Depuis la dizaine d'années qui viennent de passer, la Chine a décidé d'équiper ses soldats façon GI américain. Donc ils sont vraiment bien équipés, ils sont complètement équipés. Il y a quelques années, la Chine a sorti un nouveau système d'armes, donc à impulsion électromagnétique, capable de désactiver un satellite qui passerait au-dessus de leur tête. Et ils l'ont fait, ils l'ont prouvé en désactivant leur satellite. Le message qu'ils envoient aux Américains, pardon, c'est que si vous voulez passer sur notre ciel, vous avez le droit, tout comme on a le droit sur notre ciel de faire ce qu'on veut, par exemple désactiver votre satellite. Donc évitez d'envoyer un satellite militaire soi-disant espion parce qu'on les voit vos satellites. Ça, c'est plutôt clair. Ce qu'elle a également fait, c'est tout récemment, c'est annoncer la sortie d'un missile balistique capable de détruire un porte-avions. Là encore, le message est très très clair à l'intention des Américains. Petit parallèle que j'aimerais faire avec les Russes, c'est que les Chinois et les Russes sont assez proches depuis quelques années, c'est que les Russes, eux, ont sorti un missile capable de créer un tsunami, finalement. Avec la puissance que celui-ci va dégager, il serait capable de créer un tsunami pour ravager les côtes d'un pays
Par exemple, les États-Unis. Je dis ça, je dis rien. Et également, il y a quelques années, entre les îles Senkaku et donc, la Chine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait donc, ce fameux conflit en 2010-2011 de mémoire, et les États-Unis étaient présents sur site hein, pour appuyer leur allié depuis toujours, hein, depuis la Seconde Guerre mondiale, dans ce conflit. Et il se trouve qu'un sous-marin à diesel, donc de toute dernière génération chinois, a surgi de nulle part. Ils ne l'ont pas vu avant sur leur radar. Là encore, le message était clairement envoyé à l'attention des Américains. Vous êtes dans nos eaux, on considère que vous êtes dans nos eaux, vous ne nous avez pas vu venir, quand on va frapper, vous ne vous verrez pas venir. Donc il y a eu une véritable panique de la part des bâtiments de guerre américains qui étaient sur site à ce moment-là, qui ont tout de suite contacté le Pentagone pour savoir quoi faire. Ça a été de la folie. Tout ça pour dire que la Chine dispose de moyens technologiques considérables et comparables à ceux des Américains, même s'ils en sont encore loin, ils s'en approchent à très 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 grands pas. Ces fameux sous-marins diesel ou nucléaires d'ailleurs sont recouverts de métamatériaux capables de rendre le sous-marin invisible au sonar ennemi, tout simplement. Voilà, nous venons de voir que la géopolitique peut déterminer l'avenir des marchés. Et elle est capable d'avoir des conséquences qui auront des répercussions sur les marchés de par les ressources que les pays en conflit recèlent dans leur sous-sol. La rareté provoque toujours une envolée des cours des matières premières, tel qu'on l'a déjà pu le voir avec l'Iran ou encore la Russie sur le pétrole, par exemple. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve pour un prochain numéro. Et à très bientôt. Ciao, ciao!